Quand on dessine un graphe, right? Quand on dessine un graphe, when we draw graphs, graphe veut dire une ligne sur une courbe, dans nos cartésiennes plane, et là, chaque graphe est dans ce équation. Là, dans le graphe, nous avons une courbe, que n'y a pas de autres syllabes, le temps qui se brûle ça, nous avons dit la ligne. Quand nous dessinons la ligne dans une cartésienne plane, là, chaque ligne est dans sa propre équation. Qui ça veut dire équation de la ligne? C'est une relation entre de la ligne là et un tas point. Right? À chaque point est dans ce coordinate, et d'une toi relation entre chaque point ce coordinate de la ligne. Right? Ça, c'est l'équation de la ligne. On trouve qu'il y en a trois catégories d'équations de la ligne. Une horizontal line, li, là, on a besoin d'observer que tu coupes y-axis. Y-axis, disons que tu as un point A, right? Là, que tu as un y-intercept, li A, c'est-à-dire l'équation de la ligne, là, pour bien, y is equal to A. Ben vertical line, tu as besoin de checker que tu peux couper x-axis, que fait comme tu peux couper B, la seule équation bien, x is equal to B. Next, ben incline line, ben là, cette équation est un petit peu compliquée, parce que des affaires, tu as besoin d'informations. Tu as besoin de ce y-intercept, qui nous représente par l'alphabet C, right, avec gradient la ligne là, M. Là, équation N, la ligne incline, comment elle est restée? Dans quel format? Y égale mx plus C. Right, de l'équation là, ici, nous avons besoin de remplacer sa valeur A là, nous avons besoin de couper ça, y-axis ça. Ici, nous avons besoin de couper ça, x-axis, nous remplacer ici. Dans une incline line, nous avons besoin de route sur gradient, et nous avons besoin de la ligne là, nous avons besoin de couper y-axis, y-intercept, nous avons ici. Ok? Allez, right. Et ben graphe avec ben l'autre équation d'habitude, il y a une courbe. Allez, il y a une question. Allez, nous prenons numéro 1, A. Nous trouvons une horizontal line, ça c'est une horizontal line, cette équation. Right, nous trouvons une horizontal line, le autre écran qui peut couper y-axis de 4, veut dire sur l'équation pour venir, y is equal to 4. Next, nous trouvons une autre horizontal line qui peut couper y-axis de moins n, dit sur l'équation pour venir, y égale moins n. Next, partie C, toujours, nous peut trouver une horizontal line, mais quand il coupe y-axis, ça dépend de toi, sa y-intercept là, y value là, il doit se coordonner. Coordonner ça, c'est 0, 4, veut dire depuis l'origine, tu as besoin de 0 de x. Et de y, tu as besoin de 4. Mais ce y-intercept, ça scale qui pour ici, là, c'est pour 4 même. Alors, l'équation en ligne, là, y is equal to 4. Pas le mettre y égale 0, 4 là. Hein? Right? Pas coordinate ce que vous avez mis, mais besoin de ça scale value y là, ici. Right? Divin y égale 4. Next, nous trouvons l'autre ligne. L'idée de coupe, ça c'est origin. Get ça la ligne ici, là, on peut trouver l'idée de coupe y-axis, le coordinate 0, moins 2. Right? Ça y coordinate là qui m'avait besoin de moins 2. Mais c'est l'équation en ligne, là, y égale moins 2. Next, nous avons une vertical line. Première vertical line, partie A, on peut trouver une vertical line qui peut couper x-axis là aussi sur l'équation pour venir. X is equal to 6. Next, partie B, on trouve une vertical line qui peut couper x-axis là moins 3 sur l'équation pour venir. X is equal to minus 3. Next, partie C, là, on peut gagner sa point là sur coordinate 6, 0. Veut dire, sur scale depuis origine, x te besoin de 6, y te besoin de 0. Veut dire, x te besoin de 6, ce scale ici pour 6. Veut dire, il y a une vertical line qui peut couper x-axis de 6. Sur l'équation pour venir, x is equal to 6. Pareil ici, si coordinate ça, il est moins 7, 0. Veut dire, ici, ce scale value est pour moins 7. Il y a une vertical line qui peut couper x-axis de moins 7. Sur l'équation pour venir, x is equal to minus 7. OK? Next, ça c'est une incline line. OK, le tableau peut trouver, pas le tableau, le jeu de l'écran, je peux trouver, il y a une incline line. Rappelez-vous, il y a une incline line, cette équation reste de sa formate là, y égale mx plus c. Ça, m là, c'est gradient de la ligne là, et si c'est ce y-intercept, on a besoin de remplacer ça des valeurs là. Dans cette question là, on peut trouver qui, l'infini de toi, gradient de la ligne là, il y a une dimension ici, gradient là, il est 6. Je vais capable d'écrire là, y égale gradient là, il est 6. La moment x, la plus, à ce moment-là, ce valet c qui était. C, c'est ce y-intercept. Quand la ligne peut couper y-axis, il peut couper l'eau, 4. Et bien, ce y-intercept est 4. Et bien, l'équation de la ligne est y égale 6x plus 4. Next, nous observons ça la ligne, ce qui nous connaît le gradient. Et bien, des informations, c'est m x c. Et nous observons ça la ligne, que tu peux trouver l'infini directoire gradient, qui était 12, puis n'importe quel qui était. Next, ce y-intercept, que tu écoutes la ligne, il peut couper y-axis. Il peut couper y-axis là. Et bien, ça c'est y-axis, hein, sa vertical line rouge là. Il peut couper ça la ligne noire là, il peut couper y-axis là, moins 2. Veut dire, si nous avons le general format of an inclined line, il y a y égale mx plus c. Là, nous pouvons remplacer y égale m là, il y a 12. X plus, valeur c qui était, il y a moins 2. À c'est ça plus moins ça, tu peux pas combiner plus moins c'est bien moins. Et la équation finale pour une y égale 12x retiré 2. Next, nous avons partie C.
Allez, nous observer est-ce qu'il y a un gradient qui est quoi intercept parce que c'est ça qui besoin. Et rappelle un incline line sur l'équation reste de sa format y égale mx plus c. Right, ok. Allez, observez, je dis-moi, ce qui est un gradient et un y-intercept. Quel gradient est infini, j'ai toi. Il dit ici, gradient est moins 7. Et ce y-intercept, vous observez que tu peux couper l'axis, le 2. Je veux dire, l'équation en ligne qui peut venir, y égale m là remplace li, moins 7x plus c dit 2. Bien bon, simple. Y égale moins 7x plus 2. Ça, c'est l'équation pour partie C. Next, ça, c'est partie D. Vous pouvez trouver que l'infini de ta gradient là, est moins 11. Y-intercept, c'est ici que tu peux couper y-axis. Right, tu peux couper y-axis de moins 5. Va laisser pour moins 5. Je veux dire, équation en incline line de format y égale mx plus c. Y égale m là, tu connais moins 11. X plus c qui était c. Il est combien? Il est moins 5. De là, où combine ça des signes qui sont ensemble. De là, y pour venir, moins 11x plus moins pour venir, moins n. Ça, c'est équation de pour partie D. Next, pour numéro 4, là, nous observons bien. Vous pouvez trouver tout ça dans une question là. Rappelez bien l'incline line, n'est écrit ça general format là, toi. Et là, next step qui te fait, al road mxc. Observe le dessin road mxc. Là, tu peux trouver qui pour ça, là, il y a m gradient là, il y a 5. So, y intercept qui est côté. Là, il n'y a pas de doigt sur y intercept là, là, ça c'est ce qu'il va lui donner, il y a un coordinate. Mais là, il y a des niveaux numéro 1, nous pouvons nous capables de gagner ça. Y intercept là, il y a besoin de lier ça, ce qu'il va lui donner pour 2. Mais dire si m est 5, c'est 2, il est bien facile. Équation pour une y égale m 5x plus c 2. Ok, pareil ici, vous êtes plus à la ligne là, gradient 1 de 9. So, y intercept qui est côté, il est pour moins 5. General format and incline line, y égale mx plus c. Y égale m, li 9, x plus c, li moins n. Là, nous combinons ça des signes là, li pour vin moins. La équation finale, pour vin y égale 9x, retirer n. Next, pour partie c. Là, on peut trouver le gradient là, on peut trouver le dessin là, li moins 6. C'est fini, j'ai trouvé la ligne là, li moins 6. So, y intercept, c, li pour moins 4. Et si m ni moins 6, c ni moins 4, un incline line sur l'équation de sa format là, y égale mx plus c, y égale m ni moins 6, x plus c ni moins 4. Vous jouez ça des signes là, y pour venir, moins 6x plus moins pour venir, moins 4. Next, ça c'est partie D, vous trouvez la gradient là, li moins 2. Et ce y intercept qui peut être la position, c'est une notation coordinate, c'est pour vous dire moins 3. Right, un incline line reste de format y égale mx plus c sur l'équation. Y égale m ni moins 2, x plus c, c ni moins 3, plus moins pour une moins. Et la réponse finale pour une y égale moins dx, moins 3. Next, aster, ou numéro 5, je ne vais pas mettre aucun diagramme. La plupart des questions d'examen qui vous gagnez, pas mettre aucun diagramme. Tu as besoin de visualiser ça. Mais là, vous pensez, il y a obvious. Parce que ça dit information qui est nécessaire pour la route équation incline line infini de toi. Gradient là, il donne toi 12. Symbole pour gradient c'est m. Et quoi intercept ce symbole c'est infini de toi 15. Fait qui te plus simple parce que ça va besoin de ça non rien. Right? Équation incline line de sa format là, y égale mx plus c. Y égale m ou capable remplacer 12. X plus c 15. Bien bon, allez là, on finit avec l'équation incline line. Right? Y égale 12x plus 15. Next, ça c'est que ici, gradient m, il donne toi moins 13, y intercept c, il donne toi 16, an incline line, y égale mx plus c, y égale m, il moins 13, x plus 16. Allez, la incline line, là, c'est quoi, j'en vide? Y égale moins 13, x plus 16. Next, on a des dernières parties, là, il donne toi gradient là, moins 6, et ce y intercept c, il est 0. Déjà, incline line, nous finirons sur general format, là, nous remplace ça, m là, et ça, c là. Parce que ça, c'est des constantes qui ne sont pas remplacer ça. Ben, valeur fixe, moins 6x, plus c de 0. À ce moment-là, plus 0, tu ne peux pas mettre. Right? Déjà, équation finale, il y égale moins 6x. C'est un plus 0 qui ne peut pas nécessairement mettre. Parce que n'importe qui, ça fait plus 0, il vient lui-même. Next, dernière partie D, là, m ou à moins 3, et valeur y intercept c de moins 11, équation incline line, y égale mx plus c. Remplace ce qui vise m là, li moins 3, x plus c, li minus 11. Plus moins pour vin moins, équation finale pour vin y égale moins 3, x moins 11. Équation finale vin y égale moins 3, x moins 11. Bien bon.